Je voulais vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ce bouquin, Symphony of Cute Animals de Kanako Engusak. J'ai commandé depuis octobre et ça ne faisait que ça, recevoir des mails comme quoi ben, ça l'arrivait, livraison différée. Donc qu'est-ce que j'étais contente d'avoir un mail comme quoi c'était arrivé. Ah punaise, j'étais bien contente. Bon, savoir que dans les Kanako et Gusa, j'ai aussi le Rhapsody dans la forêt. C'est pas la même édition. C'est une édition ancienne, c'est pas le même papier non plus. C'est des anciennes éditions en fait. Parce qu'ils ont décidé de rééditer. Et dans la nouvelle édition, il y a des coloriages déjà réalisés. Donc on va découvrir ça ensemble, dans le sens où je ne l'ai pas encore ouvert. Je n'ai pas encore ouvert, donc on va pouvoir regarder ça ensemble. Et cette fois-ci, je vais faire du blabla. Ça changera. D'habitude, les vidéos de présentation de bouquins, je les mets en musique. Et là, je me suis décidée à vous faire une présentation papotage. Donc pourquoi pas, ça va changer. Ça me permet d'être avec vous. Ah, jolie grenouille. Je vais être obligée de laisser mes deux doigts ici pour pouvoir caler les feuilles au fur et à mesure. Ah, vous voyez, trop joli. Bien, moi. L'effet lumière, là. Alors, Kanako et Gusa. Garden Fairy Tales Animal, Curieuse Créature. Ouais. C'est les autres bouquins. Et ça y est, on rentre dans le bouquin de coloriage. J'aime bien qu'une page comme ça. Page de garde en fait, des colos qui vont suivre après. Les animaux, alors effet poil. Effet poil à gogo, double page avec des moutons. C'est bien pour Pâques, ça. C'est très printanier, c'est très joli. J'aime bien, moi, ça pour Pâques. Au printemps, là, vous voyez. Oh là 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 là. Et de la mousse sur les troncs d'armes. Oh, trop joli. Je vous avais présenté le deuxième volet, attendez, je dis pas de bêtises, le royaume des créatures curieuses que j'avais eu avant l'été dernier, non, courant d'été, début d'été, rectificatif. Figurez-vous qu'au départ en vacances, je l'ai pris pour colorier en vacances et il s'est passé une catastrophe, c'est que au retour de vacances, mon mari a oublié d'embarquer. Il est resté sur la table de salon du logement loué en vacances. Ouh là là, une vague de colère dans la voiture, de panique, de colère. Donc du coup, on n'allait pas refaire 200-250 km pour récupérer un bouquin. Donc ben, j'ai dû le dire adieu à mon bouquin. Et il s'est rattrapé à Noël, il me l'a racheté. Donc en fait, je l'ai encore, quoi. Ah, oh, mais il s'est rattrapé, s'en est voulu. Parce que je lui ai dit trois fois avant de partir. T'as oublié, tu l'as pris, oui, j'ai pris. Oui, il avait pris le pile d'à côté. Enfin, il s'est rattrapé, il me l'a racheté à Noël. Il est là, regardez. Kingdom of Curious Creatures. Voilà. C'est trop joli. J'aime bien les perroquets comme ça. Ça change un perroquet. Petit chat, petit chien. Je trouve que ça revient plus souvent quand même dans les livres de colo que les perroquets. Les petits lapins. Bon, ça fait printanier, ça fait Pâques, hein, tout ce que vous voulez. Hein. Mais c'est très joli.
Je crois que Kanako, je la mettrais dans la tête de liste, mes auteurs préférés. Ah ouais. Je peux pas vous dire du coup ce que vaut le nouveau papier, vu que je n'ai pas encore colorié dedans. Vous voyez, le livre, il était acheté le deuxième volet à Noël. Celui-ci, je viens de le recevoir aux environs du 17 janvier. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir mettre la vidéo en ligne. Donc, j'ai même pas encore été dans les deux seconds volets. J'aimerais bien terminer le premier volet avant de commencer les deux autres. Quoique je crois que je vais finir par craquer et aller un petit peu comme ça de manière aléatoire dans tous les bouquins. En fait, le temps que je termine le premier bouquin, comme je suis trop du tempérament, aller piocher par-ci, par-là, terminer un bouquin dans une année, je pense pas que j'y arriverai un jour. Même en faisant le colo duo, je me lasse très vite, quelle que soit l'illustratrice. Même si je fais du Kanako que j'adore, hein, je pourrais pas colorier du Kanako pendant un mois. Ou assez souvent, je m'en écœurerais très très vite. Quelle que soit l'illustratrice, quelle que soit même du portrait. Hein. Trop pioché, ouais. Oh, c'est trop joli là, avec un effet de regardez, plongeon d'eau là. Niveau d'eau à faire. Ouais, franchement, moi, je suis ravie de. L'attente en valait la peine. Je suis même pas allée voir sur Book Depository, voir s'il y avait la possibilité d'avoir avant. Si on pouvait annuler la commande sur Amazon. Non, je suis pas sans livre de colo. Je vais attendre un petit peu. Et c'est pas plus mal, ça me permet de garder là de vous faire une vidéo. Je lis aussi là avec un corail. J'aime bien moi. Donc je suis pas trop fana des colos mer. Ouais. En général, je préfère faire terre que mer. Hein. Oh bah hé, on est servi là, mer. Hein. Mais c'est bien, il faut pour tous les goûts. Hein. Ça c'est sûr. Hein. Pina colada, regardez, on est dans l'été là. Les glaçons, les boissons. Ouais, joli bouquin. Hein. Citron. Citron, waouh. Tournesol. Ah ouais, on est dans l'été. Donc là, on a fait printemps, été. Un éléphant. Oh, j'aime bien aussi hein, faire un éléphant, ça change. J'aime bien aussi faire les petits les hérissons. Les hérissons, on n'en voit pas beaucoup. Hein. J'aime bien colorier les hérissons. Je sais pas pour vous. Bon, j'ai rien contre les petites souris, les petits chats, les petits chiens, des petites loutres, les petits hiboux, les perroquets. J'ai rien. Regardez un singe là. Mais il y a des animaux, on ne voit pas souvent. Hein. Le singe, par exemple, et ce que je vous disais, là, le hérisson, on n'en voit pas beaucoup. Un cheval, le chat, l'oiseau. Et c'est joli. Hein. Oh, ça y est, on est dans Halloween. Regardez la citrouille. Oh, j'ai le doigt marqué de crayon. C'est quoi ça? Non mais regardez, ça s'envoie tout seul. C'est parce que je viens de faire un colo. Ah, j'aurais dû passer à la salle de bain entre deux. Vous voyez comme quoi, regardez, mon coloris, regardez, j'aurais eu le doigt de plein de pastel et j'en mettais plein de pastel à mon livre tout neuf. Là, on arrive dans Halloween, les amis. Halloween, automne. Regardez, là, elle fait la potion. Waouh. Jour de fête, là. Alors, on ne sait pas si c'est un anniversaire
Regardez, il y a un gâteau d'anniversaire avec trois bougies. Ou si c'est Halloween parce qu'il y a le chaudron au côté. Et qu'on est dans les. Regardez, il y a un habit d'Halloween là avec un chapeau de sorcière. Et là, l'écureuil, il a des ailes. On ne sait pas trop quoi, les deux. Ou les deux, hein. Peut-être que c'est fêté un anniversaire au moment d'Halloween. Les petits chats qui se reposent dans le hamac, qui se la coule douce. Oh, l'écureuil! Allez, voilà l'hérisson! Ah, les amis, je suis contente, il y a un hérisson! Une vraie gamine! Une vraie gamine! Mais franchement, mes réactions, oui, bon, hérisson! Il y en a un, les amis! Un! Une loutre, deux hérissons, un ours, regardez, ah là là, deux hérissons dans le bouquin, oh jolie, jolie frise pour les fêtes de fin d'année, donnez-moi ça. Oui, ça passe. Il y a du mal. Tout juste, hein, tout juste. Hein. Ça passe. Hein. Faut dire si que le format, il est costaud. Hein. C'est un livre de combien, ça? Tiens, je vais même pas regarder. Je vais regarder. Allez, je sors la règle. Un bon 24. Sur pratiquement 25. Vous voyez, c'est un bon format quand même. La grenouille. Là, on est à Noël, en plein pot. En plein Noël. Eh ben, il y a de quoi faire. Les petits oiseaux avec leurs petites moufles, écharpes, bonnets, tout ce qu'on peut imaginer au moment des fêtes, le froid. Loulou. Oh, la brodeuse. Et là, oh, trop mimine. Le fil à tricoter. Double page. Trop joli. Oh les jacinthes! Ah oh, j'aime bien cette page. Et des bijoux, des... Trop joli. Le nid. Joli pampi. Des fans. Et voilà, on arrive à la fin. Ah, trop joli voyage, trop jolie illustration. Trop hâte d'y aller, franchement. Trop hâte d'y aller. Magnifique. C'est bien quand ça reprend un petit peu toutes les saisons, comme ça, c'est bien. On peut y aller à différents moments de l'année, c'est génial. Franchement, j'adore mon bouquin. Voilà, c'est l'essentiel, ça me plaît. J'espère que vous vous êtes contente de passer un petit moment avec moi. J'espère. J'espère que cette présentation vous a été... Comment on peut dire ça? Vous a apporté un plus. Ouais, voilà. Voilà. Vous a apporté un plus. Allez, on ne sait jamais si vous hésitez à le prendre ou pas ce bouquin. Allez, bonne journée. Au revoir. Bye bye. À plus tard. Petit cœur. Petit cœur.